Ouais, t'as une idée de ce qu'on pourrait faire là? Bah non, c'est pas trop. Bon bah, attends, je crois que j'ai une idée. Un truc C'est drôle. ouais, attends, je crois que j'ai pas mal de trucs là. Attends. Oh Ah, non, tu vas voilà. pas prendre des livres d'école, hein, j'ai déjà fait mes devoirs. Mais non, regarde, c'est mon album photo de quand j'étais petite. Attends, quoi, t'as un album photo de toi quand t'es petite? Bah ouais. Regarde. Là, c'était plein de photos de moi quand j'étais petite. Regarde, par Mais exemple c'est quoi là. ça? Ah, bah, par exemple là, c'est le jour où j'avais mis plein de peintures sur le chat. Il était devenu tout bleu parce qu'à l'époque, j'étais trop fan de Gumball et Darwin, tu vois. Et bah du coup, j'avais essayé de faire ça. Et puis mes parents, ils sont rentrés, ils m'ont fait plein de peintures et tout. Et ils ont immortalisé le moment en prenant une photo. Et par C'est exemple trop là, bien. c'est le jour où j'avais fêté mon anniversaire au McDo, tu te souviens? Sauf que toi, t'étais parti un peu plus tôt, du coup, t'as pas pu voir la chaîne, mais là, c'était quand j'avais vomi sur le cône du McDonald's pour mon anniversaire. C'était C'est trop trop cool. drôle. Mais ouais, Oh et toi, non. alors, t'as quoi comme photo, toi, de ton album quand t'étais plus jeune? Bah, je sais pas, j'ai jamais vu de photo de moi quand j'étais Ah, bon? petite. Bah ouais. Ah, bah, tu devrais demander à tes parents. Peut-être Ah qu'ils ouais? en ont sûrement, ouais, des photos de toi quand t'étais petite et tu faisais des bêtises. Bon, je vais leur demander parce que moi je veux voir qu'est-ce que je faisais comme des bêtises comme j'étais petite. Mais dis Mais voir ouais, du trop. coup. Moi j'ai une idée là. Dis voir. Ton chat, tu l'as encore? Bah oui, j'ai encore mon chat. Et si cette fois-ci on le met en rose comme Kirby? Ah ouais, trop drôle là. Mes parents, ils vont sûr immortaliser, je suis sûre. Ah ouais, comme ça fera une photo. Ah mais ouais, trop bien. Allez, Ah là là, vas-y. j'adore. Viens, viens, on va trouver. On va trouver ton chat. J'aime trop l'idée. Ouais, vas-y, on y va. Ah, il est en bas, je crois. Enfin, je sais pas. C'était trop bien, c'est Juliette. Ah, salut chérie, t'es rentrée? Salut Coucou papa. chérie. Salut maman. Ça va? Tu t'es Ça bien va? amusée? Non, c'était trop bien. On a fait des trucs trop rigolos. Elle m'a montré des trucs trop bien. Mais du coup, il fallait que je vous demande quelque chose. Vas-y. Bah, en fait, j'aimerais bien que vous me donniez l'album avec les photos pour que je rigole un petit peu là. Qui est l'album Attends, quoi? photo? De quoi tu parles? Bah, tu sais, hein, les parents, ils ont toujours un album photo de leur enfant quand ils sont petits, qui font des bêtises. Ah, de ça, mais à l'époque, on n'avait pas d'appareil photo, tu vois. Encore acheté un, c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo dedans. Et on n'en a On pas en a trop. eu un que récemment, du coup, on n'a que des photos plutôt récentes. Voilà. Ah, c'est dommage ça. Bon, bah tant pis, hein. C'est pas grave. Ouais. Bon, bah je vais monter dans ma chambre, hein. Du coup, je vais aller jouer. Vas-y, tu te couches pas trop tard non plus, hein. T'inquiète, papa. Va me coucher Demain, pas trop t'as école? tard. Ouais. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, j'en ai marre de jouer à Roblox depuis tout à l'heure là. J'ai envie de faire autre chose. Je suis pas encore fatiguée. J'ai pas envie d'aller me coucher. Ah, mais mes parents, je crois, ils sont déjà partis dormir. Bon, je vais quand même aller voir l'album photo. Enfin, les albums photos de mon papa et de ma maman. Parce qu'il y a peut-être quand même des photos récentes, mais qui doivent être drôles, sûrement. Je me rappelle qu'ils m'ont pris en photo ces derniers temps. Bon, ils sont où les albums photos? Ils sont là, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci? Ah oui, ça c'est des photos récentes. Ah ouais, ça c'est moi. À mon premier jour d'école, j'étais bien habillée. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle la photo à l'école. Je dois trouver autre chose. Là, il y a notre album photo. Attends. Pourquoi il y a des photos de mes parents quand ils étaient jeunes? Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'appareil photo. Bah, je comprends pas pourquoi. En plus, il y a pas mal de photos quand ils étaient jeunes. Pourquoi ils m'auraient menti? C'est trop bizarre. Bon, ils sont en train de dormir, donc je vais pas leur demander, mais c'est trop bizarre. Bon, je vais demander demain à Juliette ce qu'elle en pense. Je vais aller dormir, tant pis pour les photos.
Ah, j'adore trop ma salopette. Elle est trop bien. Bon, il faut que avant que j'aille à l'école, que je demande à mes parents là ce que j'ai trouvé cette nuit. Descendre en bas, faut que je leur demande parce que c'est trop bizarre, peut-être, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils m'ont menti. Salut papa, salut maman. Salut Mélissa, ça va? Ça va, enfin ça va, mais ça va pas en fait. Il faut que je vous dise un truc là. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? T'écoutes? En fait, cette nuit, je suis descendue et j'ai regardé les albums photos. Et j'ai vu que il y avait des photos de vous quand vous étiez jeune. Pourquoi vous m'avez menti? Vous m'aviez dit que vous n'aviez pas d'appareil photo quand vous étiez jeune. C'est parce que tu... Comment dire? Quand tu étais moche, tu n'aimais pas les photos. Donc c'est on voulait pas te contrarier. Voilà. On va pas se le mentir. Attends, quoi? Vous aviez un appareil photo, mais vous ne vouliez pas me prendre en photo? C'est parce que t'étais moche, c'est pour ça. Parce que t'étais pas très belle. Tu ressembles à ton père. Ah, c'est pas très gentil, ça. C'est pas très sympa, j'avoue. Mais... Et du coup, maintenant, vous me prenez en photo, ça veut dire que c'est bon, je suis belle? Oui, c'est vrai, t'es belle maintenant. T'es plus passable. Ah. Parce qu'avant, quand t'étais petite, t'étais toute fripée, c'était bizarre. Attends, comment ça j'étais fripée? Bah, la peau, ça faisait des rides, tu vois. Attends, j'avais des rides quand j'étais petite. Non, et quand les gens ils croisaient dans la rue, ils disaient « Ah, c'est votre mère !» Écoute... Attends, non, mais c'est bizarre. Bon, le plus important, c'est que j'ai plus de rides, là. C'est plus de rides, maman, regarde. J'ai encore des rides ou pas? Non, plus trop, ouais. Non, plus trop. Non, ça va maintenant? Ça va mieux. Ok. Bon. Bah, c'est quand même bizarre votre histoire, mais d'accord, ok. Bon. Mais ne me mentez pas la prochaine fois, hein. Dites-moi la vérité, d'accord. Hein. Ah, mais on voulait pas vexer. Ouais, c'est vrai que je suis un peu vexée, là. Tiens, prends une pomme, là, et pars à l'école, là. Ouais, c'est vrai que je vais être en retard, là. Bon, bah, à plus tard, papa, maman. À ce soir. Salut Juliette. Ah, coucou Méchante, ça va? Écoute, ça va, mais il y a un truc trop bizarre qui s'est passé ce matin, en fait. Il faut trop que je t'explique. Ouais, je te jure. C'est quoi? Vas-y, je t'écoute. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, après, hier, quand j'étais chez toi, bah, je suis rentrée chez moi, tu vois. Bon, c'est normal, ouais. Tu vois, je suis sortie de chez toi, je suis rentrée chez moi. Et... j'ai demandé à mes parents pour voir l'album parce que tu m'avais trop donné envie d'aller voir mes photos de moi quand j'étais petite. Et je leur ai demandé où il est l'album avec les photos de moi. Et mes parents, ils m'ont dit ouais, on n'avait pas d'appareil photo quand tu étais petite, nanani. Et j'ai dit bon, ok, d'accord. Et la nuit, je suis descendue, j'ai vu des albums photos et en fait... Il y avait des albums avec mes parents qui étaient jeunes, alors qu'ils m'avaient dit que quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas d'appareil, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de photos. Mais il y en avait plein des photos d'eux quand ils étaient jeunes, et sans moi, ils étaient sur aucune photo. Ah quoi? C'est vrai ça? Je te jure, sur la vie de ton chat. Mais c'est super bizarre ça. Ouais. Moi, je te dis... Attends, parce que l'histoire, elle n'est pas finie. Ah bon? Le matin, je descends, et je les confronte. Je pose mes couronnes sur le bar de la table de la cuisine. Il dit, écoute papa, écoute maman, je sais qu'il y a des photos et tout, mais il n'y a aucune photo de moi, donc vous m'avez menti, vous aviez un appareil photo. Et tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Oh non, j'ai peur là, ouais vas-y. Ah oui. Ils m'ont dit, en fait, on n'a pas pris de photo de toi quand t'étais petite, parce que quand t'étais petite, t'étais moche, t'étais toute fripée. Et voilà, on voulait pas que tu complexes plus tard sur ces photos. Quoi, c'est vrai, ils t'ont vraiment dit ça? Ah ouais, ils m'ont dit ça. Mais du coup, en fait, c'est pas de photo, moi. Je suis trop triste. Mais non, mais c'est super bizarre, ça. Pourquoi c'est bizarre?
Mais non, mais moi, je te dis, mais à ta place, je ferai attention, hein. Parce que moi, je suis sûre que t'as été kidnappée, hein. Parce que ça, c'est pas la vraie vérité. Parce que la vraie vérité, c'est que les parents, ils prennent tout le temps des photos de leur enfant quand ils sont jeunes. Parce que, bah, pour les parents, ils parlent leur enfant, c'est le plus beau du monde. Parce que eux, ils t'ont dit que t'étais moche quand t'étais petit, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris de photos de toi. Mais normalement, les parents, c'est pas censé penser ça. Tous les enfants est beau pour un parent, c'est pas attends, possible. Donc, t'es en train de me dire que j'ai été kidnappée? Mais ouais, moi je suis sûre que t'as été kidnappée, hein. Mais je te jure, non mais vraiment moi, je suis sûre à 100 000 000 % que toi t'as été kidnappée. C'est pas possible que tes parents ils te disent ça parce que normalement tous les enfants sont beaux pour un parent. Mais qu'est-ce que je dois faire moi si j'ai été kidnappée? Faut que j'appelle la police? Non, appelle pas la police. Tu sais, tu devrais aller à l'hôpital de Brookhaven parce que tu vois, l'hôpital de Brookhaven, c'est comme l'infirmerie à l'école, ils savent tout sur toi. Donc eux, ils sauront sûrement te dire bah si t'as été kidnappée ou pas. Ils vont savoir c'est qui mes vrais parents et tout alors. Mais ouais, voilà, c'est ça. Ok, bah je vais aller voir à l'hôpital, mais moi je les aime bien mes parents quand même, donc sauf qu'ils m'ont dit qu'ils étaient moches quand j'étais petite et que j'étais frippée. Mais c'était pas photogénique, mais ouais, c'est vrai que ça se fait que j'étais vrai parent quelque part dans ce monde et ils s'inquiètent parce qu'ils m'ont perdu. Donc, j'ai pas trop. Ouais, je vais aller voir à l'hôpital, je vais voir ce qu'ils vont ouais, me dire. Ouais, t'as raison, tu devrais y aller, hein. Ok, bon, bah on va en cours et puis après l'école, j'irai voir à l'hôpital. Ouais, voilà. Exactement. Allez, viens. On y va. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Il y a un problème? Ouais, il y a un très 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 grave problème madame. Et c'est quoi? J'ai été kidnappée madame. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah en fait, mes parents, ils arrêtent pas de me mentir tout le temps et ils me disent trop des trucs bizarres et j'ai ma meilleure amie, elle m'a dit que c'est sûr à 100%, 100 milliards de pourcents que j'ai été kidnappée. Oui, mais bon, tu es petite, donc tu peux croire des choses comme ça, mais si t'étais kidnappée, tu serais pas ici. Bah, en fait, madame, ils ont dû me kidnapper quand j'étais plus jeune, mais quand j'étais petite, il y a zéro photo de moi dans l'album de famille. Vous trouvez pas ça bizarre? Bah, peut-être que tes parents n'avaient pas envie de te prendre en photo. Bah ouais, mais ma meilleure amie, elle a dit que les parents, ils prennent toujours des photos de leur enfant quand ils sont tout petits. C'est trop bizarre. Vous pouvez pas vérifier mon identité et me dire si c'est mes vrais parents ou si c'est pas mes vrais parents. Bah, c'est quoi ton prénom? Ouais, c'est Mélissandre Castillo. Bon, je vais aller voir ça pour toi, je reviens. Merci, madame. Bon, du coup, tu n'as pas été kidnappée, mais je pense que on devrait appeler tes parents pour qu'ils t'expliquent la situation. Mais vous êtes sûr que c'est pas des kidnappeurs? Parce que si vous les appelez, ils vont me re-kidnapper encore une fois. Non, je t'assure, c'est pas des kidnappeurs. Et puis, ne t'inquiète pas, nous, on est là. D'accord. Donc, bon, je vais aller les appeler et ils vont venir. Ok, ça marche. Bon, bah, j'attends ici, du coup, hein. D'accord. Coucou. Salut papa, salut maman, enfin je sais pas. Vous m'avez kidnappé ou pas? Non, bah non. En fait, t'as été adopté. Et... on voulait pas te le dire. Voilà. Attends, comment ça j'ai été adopté? Ben, en fait, maman ne peut pas avoir d'enfant. Donc, on était obligé d'adopter. Et puis, ta maman, elle te voulait pas quand t'étais bébé. Donc, j'ai été moche ta mère, alors. Non, elle t'a jeté dans la poubelle. Et puis c'est pour ça qu'on n'a pas de photo de toi. Voilà, parce qu'on t'a adopté. Et donc du coup, c'est pour ça. Les photos, elles ont commencé quand t'as eu. Mais du coup, ma vraie maman, pourquoi elle ne voulait pas de moi? Parce qu'elle était trop jeune. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi vous m'avez menti?
Parce que t'es petite encore. Ça allait être choqué. Et en plus, on voulait pas te le dire avant que t'aies dit. Ok, donc là, ça veut dire qu'il a été adopté. Mais du coup, vous êtes quand même mes vrais parents ou pas? Bah, ça dépend de ce que tu vois, peut-être. On est tes parents dans ton cœur, mais on n'est pas tes parents biologiques. Mais on est quand même tes parents dans ton cœur parce que c'est nous qui t'avons élevé et tout. Exactement. Ok, bon bah du coup, moi ça me va alors si c'est comme ça, mais faut que plus jamais vous me mentiez, d'accord? D'accord. D'accord, maman? Oui, oui. Plus jamais de mensonges, parce que moi je vous aime aussi, et je veux que vous restiez mon papa et ma maman, mais je veux plus que vous me mentiez. Très bien, d'accord, si c'est ce que tu veux. Ok, bah du coup, on peut rentrer à la maison? Bah ouais, carrément, si t'as envie. Et on peut passer au McDonald's en chemin? Ça, maman, on verra plus tard. Y a un Happy Meal, y a un jouet dans l'Happy Meal. Si tu veux. Y a un Pikachu. Ok, bah d'accord. On passe par le McDonald's, ouais.